techniquement, c'est un enjeu absolument central. Et c'est aussi source de soucis à l'occasion. Alors, le premier enjeu, évidemment, c'est qu'on est une business de talent, c'est l'évidence même. Mais en plus, on est une business de talent dont les aspirations sont internationales, dont plusieurs clients sont internationaux. Donc, ça requiert qu'on recrute des gens qui, un, sont donc un calibre international, deux, qui ont des références internationales. Ils sont appelés à travailler sur ce genre de projet. Donc, nous, la décision qu'on a prise, c'est de faire en sorte que notre expansion internationale soit d'abord et avant tout animée par notre volonté de recruter du talent, et non pas des clients. Et ça surprend des gens, mais dans la plupart des cas, quand on ouvre dans une nouvelle ville, c'était pas parce qu'on voyait une opportunité du côté des clients, c'est parce qu'on voyait une opportunité du côté des talents. On disait « Ah, ce terreau-là est un terreau fertile, on va engager plein de monde. » Et notre croyance, c'est que si le talent est là, les clients vont suivre. Et nous, on commence toujours par le talent.